Salut tout le monde, c'est Souris sans trophée. On se retrouve aujourd'hui sur Little Nightmare, donc je vais vous montrer les emplacements de tout le secret. Donc on va créer une nouvelle sauvegarde. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer tous les secrets. Donc je sais pas combien il y en a. Il y en a beaucoup des secrets sur Little Nightmare. Donc après, je sais pas combien de temps je vais mettre pour trouver tous les secrets. Bon, on va essayer de tous les trouver. On attend du coup que la cinématique elle se termine et après je vais vous montrer du coup tous les emplacements de tous les secrets. Donc à peu près une vidéo, on va dire, ça prend à peu près 45 minutes. Je vais mettre approximativement 45 minutes pour finir le chapitre 1. La vidéo va durer 10 minutes, mais moi ça va me prendre environ 45 minutes pour faire la vidéo. Enfin, après concrètement, je sais pas combien de temps il faut pour finir le chapitre 1, mais dans mes souvenirs, c'était quand même assez long, donc on verra bien. Donc je vais vous montrer l'emplacement du tout premier secret. A tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer l'emplacement du tout premier secret. Donc comme vous pouvez le voir, le tout premier secret, il est juste ici. Donc vous avez juste à vous approcher et allumer la lampe et vous allez obtenir votre premier secret. Donc je vais vous montrer l'emplacement du deuxième secret. A tout de suite. Maintenant je vais vous montrer l'emplacement du deuxième secret. Donc vous allez ici dans la petite impasse et vous avez une petite statue. Alors il faut maintenir R2, puis vous maintenez X et vous avez cassé la statue. Une fois que la statue est cassée, vous avez obtenu tout simplement le deuxième secret. Donc je vais vous montrer l'emplacement du troisième secret. A tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer l'emplacement du troisième secret. Donc là, normalement, la suite est en haut du frigo. Donc vous allez à droite pour récupérer votre troisième secret. Donc c'est pas très compliqué d'aller trouver le secret. Bon, après, au début, c'est pas très compliqué, mais après, je pense que ça deviendra plus compliqué. Donc là, vous avez récupéré votre troisième secret. Donc je vais vous montrer l'emplacement du quatrième secret. A tout de suite. Maintenant je vais vous montrer l'emplacement du quatrième secret. Donc vous avez juste à tirer dans le frigo. Puis vous allez revenir ici pour aller récupérer votre quatrième secret. Alors il suffit juste de maintenir R2 pour câliner le nom. Et là, vous avez votre quatrième secret. Donc je vais vous montrer l'emplacement du cinquième secret. A tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer l'emplacement du cinquième secret. Donc là, du coup, vous avez votre petite lampe et vous avez juste à l'allumer. Donc je vais vous montrer l'emplacement du sixième secret. A tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer l'emplacement du sixième secret. Donc là vous avez juste allumé la petite lampe et vous avez votre sixième secret. Donc je vais vous montrer l'emplacement du septième secret. A tout de suite. Maintenant je vais vous montrer l'emplacement du septième secret. Donc le septième secret se trouve juste ici. Maintenant je vais vous montrer l'emplacement du huitième secret. A tout de suite. Maintenant je vais vous montrer l'emplacement du huitième secret. Donc vous allez ici et vous allez tout simplement tomber ici. Et là, vous allez rentrer dans ce petit passage. Et donc là, vous avez tout simplement le huitième et le neuvième secret. Parce que le huitième secret, le Noms, et vous avez le neuvième secret qui est juste à côté. Donc deux secrets du coup pour le prix d'un, c'est quand même pas mal. Donc je vous retrouve du coup pour le onzième secret. A tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer l'emplacement du dixième secret. Donc comme vous pouvez le voir, le dixième secret du coup c'est une statue du coup qui est juste ici. Donc il suffit juste de la prendre et de la jeter sur le sol pour avoir votre dixième secret. Donc je vais vous montrer l'emplacement du onzième secret.
À tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer l'emplacement du 11e secret. Donc, comme vous pouvez le voir, le 11e secret, du coup, il est juste ici. Donc, je l'ai déjà allumé sans faire exprès. Voilà, il suffit juste de s'approcher de l'allumer. Et vous avez votre 11e secret. Donc, je vais vous montrer l'emplacement du 12e secret. À tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer l'emplacement du 12e secret. Donc, vous pouvez le voir, le 12e secret, du coup, il est juste ici. Donc, il suffit juste d'allumer la lampe et vous avez votre 12e secret. Donc je vais vous montrer du coup l'emplacement du 13e secret. A tout de suite. Maintenant je vais vous montrer l'emplacement du 4e secret. Donc le 4e secret du coup c'est le Nomes qui est ici. Donc, il faut ouvrir sa cage. Puis il fallait le retrouver du coup juste derrière ici. Et il va se cacher juste ici. Donc il suffit juste de le câliner. Et vous avez votre 14e secret. Votre 13e secret. Donc je vais vous montrer l'emplacement du 14e secret. À tout de suite. Maintenant du coup, on a fini du coup le premier chapitre, la prison. Donc on se retrouvera dans le deuxième chapitre. Du coup, on se retrouvera, alors je sais pas trop quand on se retrouvera du coup pour se faire du coup le chapitre 2. Parce que ça me prend quand même du temps à faire le mont à faire une vidéo sur Little Nightmare. Alors on va se dire on va dire qu'on va se retrouver le jeudi 19 août. Donc le jeudi 19 août, je vous retrouverai du coup pour faire le deuxième chapitre sur Little Nightmare. Donc au jeudi 19 août, c'était Solution Trophée.